Moi, avant une mission, je me détends toujours du haut d'une colline. J'aime beaucoup la nature et la nature me le rend bien. J'espère que tu vas bien. Épisode 8. Et avant de commencer, ne serait-ce que 3 secondes de mission, on va se détendre et on va dévaler un peu la pente. C'est parti, BGM. Moi j'adore cet endroit, il est magnifique. Tu peux faire des jumps énormes. Regarde, bouge pas, regarde bien. Regarde tonton ce qu'il sait faire. Franchement, c'est trop kiffant. Moi j'adore faire ça. Des fois je peux passer ma soirée à faire ça. Hop, et voilà. Bon les gars, bien évidemment, il n'y a pas de mission disponible pour Franklin. On zappe directement sur Michael, on va rejoindre sa maison, sa jolie demeure, et on va voir ce qu'on nous propose. Bon, dans l'histoire, de toute façon, on sait que l'on doit toujours beaucoup d'argent pour avoir détruit une belle maison, qui n'était pas la maison du tennisman, du prof de tennis, et du coup, eh ben maintenant, il va falloir faire du braquage, je te le dis. Mais pas le braquage de la dernière fois. On va pas aller voler 3 petites bagues et 2 colliers. Là, ça va pas être la même, je te le dis tout de suite. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'es calmé. Nous sommes l'épisode 8, et à l'heure où je vous parle, est diffusé l'épisode 5 avec une histoire de concours et compagnie. Et je me suis aperçu, dans vos commentaires, que beaucoup... Oh, vous êtes des énervés en fait. Tout le monde est énervé. Donc je tiens à le redire. Moi, le concours, je l'annonce. Je n'achète aucun jeu, je ne fais aucun tirage. Moi, j'annonce le concours, les autres se débrouillent avec. Mais heureusement, une grosse partie de ma communauté, même toute ma communauté, est venue pour expliquer qui était Jaya. Ça va 2 minutes, vos conneries. Nous, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. C'est parti. On y va. Calme-toi, il faut te détendre un peu. Tu es stressé. Je me sens comme si nous n'avons pas vu l'autre en forever. Tu veux avoir un dîner plus tard? J'aimerais, mais... Tu sais, yoga waits for no one. Another time. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Yeah, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? Criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. You wanna get lit now, sugar? Pablo Raybazar makes 28 million. Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny, don't do it! Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor, I told him! We all get high! We all get high! But that don't leave make it, it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but the don't make it right. Don't make nothing right! Not what you done with me! I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing! Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man, it's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. Cowboy, hey, I know, hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Oh, shh.
speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! Bon, je crois qu'à partir de maintenant, on joue Trevor. Je veux pas casser l'ambiance, hein, vraiment. Mais je comprends pourquoi ce jeu est interdit aux moins de 18 ans. Et moi, ça me navre de savoir que beaucoup de jeunes, même de très jeunes, y jouent. Perso, t'es mon enfant, t'as 14-15 ans, jamais tu l'as ce jeu. Voilà, ça peut vous étonner. Mais c'est hard quand même, c'est vraiment pour adultes, enfin, ou alors des jeunes adultes, quoi, 16 ans, 17... Là, c'est... voilà. Excusez-moi de faire mon moralisateur, mais... quand même, s'il y a un... hein, faut pas qu'on se cache les choses. Donc je pense qu'au montage, je mettrai pas tout, parce que vous avez pas tous 18 ans sur cette chaîne, loin de là. C'est un peu l'école primaire, des fois, même, sur cette chaîne. Non, mais je veux dire, voilà, faut être réaliste, hein. Donc je sais pas où on va, on y va. J'aime bien son 4x4 à Trevor, il se conduit bien. Ça fait plaisir. C'est ici que ça se passe. Mission Cléopâtre. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just... C'est un gros bourrin, ce Trevor. Hey, hey, cowboy! You mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, what, no, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Oh, c'est un psychopathe. J'aime beaucoup Trevor, c'est mon personnage préféré. Ah, moi, je les aime bien, les bourrins comme ça. C'est parti. L'action commence. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire, mais on va les suivre. Bon, on suit la camionnette et après on va éliminer, je pense, le petit gangouné de la campagne, hein. Les quatre motards là, trois motards, deux motards, je sais pas combien ils sont, mais c'est des motards. Easy Rider. Bonne course poursuite comme on les aime. On va essayer de pas faire le con, cette mission, on va te la faire direct d'un trait. Je vais tuer personne. Franchement, elle a pour tirer. On va tirer sur qui là? Doucement, doucement. Prends le virage, voilà. Franchement, elle se conduit super bien sa caisse. Olé. Même pas je l'ai touché, tu crois toi? Hop là. Une petite biquette au passage, un petit virage contre le dérapé. J'ai loupé la camionnette, mais je pense qu'on va pouvoir la reprendre par là-haut, à la Starkey Hutch. Allez, 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 dépêche-toi. Voilà, tire. Oh, je l'ai touché normalement, bordel. Allez. C'est pas évident quand même de tirer et conduire. Doucement, doucement, ça me perturbe moi. Et tous ces virages, comment tu veux que je vise? Doucement. On se calme, on y va. Allez, on tire. Dégage, on y va. Je sais pas jusqu'à où on va le poursuivre comme ça. Allez, on y va. S'il y a moyen de se le taper, l'autre la moto, on va se la taper. Oh, allez. Oh, j'étais à deux doigts de fail la mission en tombant dans le lac comme une grosse merde. Là c'est bon, c'est droit là. Voilà, c'est bon, je vais crever ces pneus, nickel. C'était l'objectif. L'objectif numéro 1, éliminer les deux zouzous en mobilette. C'est fait. Regardez, il s'arrête. Lui, il devine. C'est un devin, tu sais. Il s'arrête alors qu'il n'était pas en train de s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Tuer les bikers.
vois comment j'ai fait le con. J'ai mis n'importe quoi. Bah oui, moi je fonce dans le tas avec la camionnette. Ouais, bah ouais. Mais en même temps, je savais, j'étais conscient de la connerie que j'étais en train de faire. Deuxième tentative. PGM. Alors je crois qu'on va les attendre. Allez, dépêche-toi. Parce que si j'étais en voiture, vous pensez pas que ça peut être plus simple? Je vais en voiture, j'écrase tout le monde. Bon, je sais que tout à l'heure j'ai essayé. Ça n'a pas du tout été concluant, le truc. Où qu'ils sont? Moi je vais les laisser venir. J'ai pas envie d'aller dans le tas. Regarde, ils arrivent tout doucement, ces coquins. C'est des coquins. Il va te cacher ici. De 1. Là, je suis rouge. J'ai pris 2 balles. C'est génial. Je redeviens un peu vert. C'est cool. On va aller se cacher par là. Et on va se mettre de la compétence de psychopathe. Hop là, dans ta gueule. Elle va bien, la compétence de psychopathe. Je crois qu'il faut savoir bien l'utiliser et bien la jauger surtout. Faut s'en garder au maximum. Sinon t'es dans la merde. Cache-toi. Hop, derrière la caisse. Y'a personne. Pas non plus. Et ça tire. Cache-toi, cache-toi. Voilà, garde ta jauge là. Ça sert à rien. Voilà, un coup de fusil à pompe à 600 mètres, c'est moi qui te l'offre. Il y en a qui va arriver par là, c'est ça, ou par là, ou par là. Jauge de compétence. Hop là, dans ta gueule, arrête de conduire. T'as pas le permis. Hop là, on garde la jauge. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un peu de respect pour les piétons, qu'est-ce qu'il raconte lui? Faites pas flipper les gars. Allez, on arrête de faire la tafiole, on évolue. Tiens, dans ta gueule. Hop là, suivant. Non, on va garder un peu de jauge. Que je n'ai plus déjà. Cache-toi. Va recharger un coup, mon pote. Par contre, la jauge de compétence, je sais pas du tout comment elle se recharge. Allez, cours, cours. Reprends un peu des munitions. Va te cacher là-dedans. Voilà, nickel. Et de 1. Et de 2. C'est la guerre. Un peu d'énergie. Sinon, c'est pas rigolo. Vas-y, cache-toi. Là, y'a personne. Je reprends un peu de jauge. Ça, ça fait plaisir. Surprise, motherfucker. Hop là. Exterminator. De père en fils. Ouais, par contre, va vite te cacher maintenant. Voilà, regarde un peu de ta jauge. Je sais pas combien il en reste. Il en reste 2, j'ai l'impression. On va laisser le faire, le deuxième. Il est où cet enfoiré? Ah, ils sont pas que 2. Oula, loin de là. Va te cacher, va te cacher. Franchement, c'est hard hein, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais il y a vraiment du monde. Hein. La voiture va exploser. La voiture va exploser. Wouah, bien vu, Jay. Elle a explosé. Elle a explosé. Bien vu. PGM du jeu. Là, j'ai un gars dans le dos. Tape-toi l'incruste. Ils arrivent dans le dos maintenant, j'y crois pas. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Et de 1, de 2, de 3, et de 4, de 5, et de 6. Pourquoi il passe de bleu à rouge? Retournez au pick-up. Ok, c'est bon. Eh ben, franchement... franchement... J'aurais bien pris une petite moto, moi. En fait, bleu-rouge, ça veut dire que c'est... C'est des tafioles, tout simplement. Ils se rendent. Ils ont vu la puissance qui était en moi. Ils se sont dit, c'est pas possible. Je dis, go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation?
Bon, on retourne à la maison. Mission accomplie, ça fait plaisir. Les gangs des trous de balles n'existent plus. Lui, je laisse la vie sauve. Non, doucement. Voilà. Je lui laisse la vie sauve et ça me fait plaisir. Là, j'ai envie de te dire, on se retrouve à la maison, tout de suite. Bon, en même temps, la maison, elle est déjà là. Donc, c'est pas la peine que je te dise on se retrouve à la maison parce qu'elle est déjà là. Donc, on se retrouve à la cinématique. Maintenant, là, direct. Ah non, c'est pas fini en fait, on n'est pas à la maison. Maintenant, on va se taper le chef. Pousser la caravane dans la rivière. Allez, dans la rivière, tu vas faire Titanic, hein? Bon voyage, mon pote. Ça me fait plaisir. C'est un bourrin, Trevor, comme on les aime. Lui, la délicatesse, il connaît pas. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. I'll go away, man, but my people, you're. Menaçons Trevor. Vas-y, tu te mets à genoux. I didn't have to. You sure you want to do this? Ouais, je peux le faire. J'ai juste une action à faire sur la gâchette. Je peux te dire que tu vas t'appeler Brigitte dans pas longtemps, si je vise surtout ici. Là, dans les colonnes. Bon, et on fait quoi là maintenant? Je te menace. On reste là jusqu'à quelle heure? L'eau est super bien faite, le décor est magnifique. De même te bullshooter. Voilà, between the ray, dans l'axe de la ray. Alors je serais toi, je ferais pas le malin. Je fais partie du 5e régiment de bullshooters de haute montagne. Des années d'entraînement. Et on fait quoi là? On le menace pendant combien de temps? Faut le tuer, on fait quoi? Bon. On a compris le message, on monte dans le pick-up. Parce qu'à ce rythme là, on pouvait rester 6 jours et demi à lui faire ça. Allez. On retourne à la zombie. Là, c'est pour de vrai. Allons chez Ron. Non, non, on va chez Ron. On va pas à la maison. Je m'étonne, ça prend une tournure inédite. On a tué l'équivalent d'un village. Hein, complètement normal. Toute une famille décimée. Mais ça prend des tournures inédites. Hein. C'est logique. J'ai envie de te dire, c'est même plus qu'inédit. C'est complètement le gros bordel. On a tué tout le monde. Normal. On n'est pas loin de chez... je sais pas qui. Change un peu de radio parce que moi la radio cowboy ça va 2 minutes. Nous voilà à l'objectif. Je t'ai dispensé les voyages qui servent à rien. Allez, bouge ton cul, dépêche-toi. Voici la planque de Trevor. C'est magnifique. Je crois que c'est le plus pouilleux des trois lui, hein. Ok, la chambre dégueulasse. Oh, Stoddy, Stadner, non mais sérieux. Il y a des trucs à faire dans ça. Il y a des trucs à faire là-dedans, quoi. Résultat argent. Bon, c'est pas dégueulasse. Là, on peut rien prendre. Boire une bière. Vous savez ce qu'on va faire, les gars? On va se boire une petite mousse et on va enchaîner la deuxième mission. A tout de suite, cowboy. Bon les gars, direct, deuxième mission, on est chaud patate, Jaya, il est lancé dans son let's play comme jamais. Épreuve de tout terrain, à l'une des courses les plus palpitantes du pays, on verra plus tard ça, dans une détente. On va se faire une deuxième mission, tranquillou, j'ai changé le look de Trevor, petite lunette de G.I.'s, un vieux tri militaire, comme ça, ça colle bien au personnage psychopathe qu'est Trevor. Donc là, on se dirige sur le point C. Je crois que c'est une mission qui nous attend. J'espère que tu t'amuses bien. J'espère que les missions sont palpitantes pour toi. Et j'espère que tu as mangé ton goûter, selon l'heure où tu regardes ce let's play. C'est peut-être l'heure de manger ton chocobéen. Allez, c'est parti.
Attends, il y a un souci là. J'ai pas tout compris là. Pourquoi on me tire dessus alors qu'à la base, moi je suis venu faire une mission. On peut m'expliquer? Trevor, you're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. Ouf, voilà. He's one. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now give me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will. Pas une bonne vieille tête, mon Trevor et ses lunettes. PGM. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. Oh, no, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了。你有空就加的来分为的我。 What the fuck is wrong with him? 就是这个，来来来来来！ I'm out. No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. Bon, on va leur montrer les installations des laboratoires de drogue de Trevor. Voilà, je pense qu'on va commencer à faire un business avec les Chinois. La Chine, c'est l'avenir, de toute façon. Faut que tu le saches. Oh. À l'école, si on te demande ta deuxième langue, prends pas anglais, prends chinois, direct. Truc de dingue. Dégage. Je suis comme ça, moi. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi les deux m'ont accueilli avec les armes. Mais bon, je sais que j'étais pas le bienvenu, mais de la me tirer dessus quand même, je veux dire, à un moment, faut un peu de délicatesse avec les gens. Hein. À un moment, faut savoir se tenir aussi. On y est. We ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? There you go. Il est mort de rire. Normal, il est mort de rire. Quand il y va, tranquille, il est défoncé. C'est dingue, une salle privée, ouais. En plus, c'est de la glace, oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, recharge-moi ça vite, regarde tes compétences, on y va. Garde tes compétences, on y va. Voilà, suivant. Il y en a encore un. Garde tes compétences un petit peu. Non, attends. Il y a un problème, on peut rester par là, il y a un problème. Suivez de chef, allez on y va. Il est où de chef? Il a pris cette porte. T'es où mon bikini? Allez. Attention à gauche. Oh, ils sont un paquet, hein. On aura fait carnage quand même dans cette ville. Dégage. Tiens, BGM le Jaya. D'accord. Je crois qu'ils vont nous envoyer encore un peu. Ça arrive par derrière. Il où, chef? Attends. Rentre dans la maison. Allez, dépêche-toi.
Allez, 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 bouge ton cul, bordel! Voilà, gros carnage, Rambo 6, direct, il est même pas sorti au cinéma. Cache-toi un coup. Et je crois qu'il va falloir faire... Non. Hop. Cache-toi. Suivant. Hop. Oh, il y a vraiment encore des bagnoles, les gars. Ils en ont pas eu assez, quoi. Ils ont envoyé toute la famille, là. Tiens, ta gueule. Faut qu'on rejoigne l'entrée du magasin. Viens. Allez, passe devant, s'il te plaît. Allez, go. Allez, chef. Descends, descends. J'aime bien les capacités de Trevor. Allez, recharge-moi tout ça. Allez, regarde un peu, avance un peu. Tiens, une balle suffit, comme Pec Citron. Tiens, dans ta gueule. Je l'attendais. Vas-y, monte ta tête. Allez. Allez! Dépêche-toi. On fait quoi, là? On va dans la voiture? Non? Tu passes quoi, là? En fait, c'était pour leur bien. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Lui, c'est l'air d'être son cuisinier particulier. Qui lui fait des bonnes capsules. Deuxième mission réussie. On va s'arrêter là. Hein? C'est la dernière fois que je vous ai quand même fait des vidéos de 40 minutes. On va peut-être se calmer un peu. Même si ce serait que de moi, mais ça durerait une heure un let's play. Et pourquoi je prends cette voiture de merde? En tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse. Je vous dis à l'épisode 8, je vous kisse la molaire. C'était Jaya. Ciao.